Pour beaucoup, il incarne Tom, le héros de la série Camping Paradis diffusée sur TF1. Mais Laurent Rounac, c'est aussi à la scène Daniel Charot, dit La Charogne, dans la pièce de Carole Grippe et Guillaume Labbé. Dans Du piment dans le caviar, il donne la réplique à Anne Bouvier et Patrick Guérineau, le barman séducteur de Camping Paradis. Le public du Milandi a pu récemment les découvrir sur les planches, dans ce théâtre qui affichait complet, dans une comédie qui raconte l'arrivée impromptue d'un Laurent Rounac en ex-tolar chez un couple bobo, sans histoire et bien pensant, Philippe, psychanalyste, et Isabelle, écrivain. Enlève-moi cette putain de porte ! Lui, mari parfait, et elle en manque d'inspiration de par sa vie ronronnante, se voient tous deux bousculés par Daniel Charot, qui se réfugie chez eux, ou plutôt s'incruste. C'est toi, hein ? Bah dis donc, t'es mieux en jeune. Non mais là je suis pas coiffé, non mais surtout qui êtes-vous? Daniel Charot, écrou 3707, prison de Strasbourg. Voilà, il s'appelle calme-toi, il n'y a pas de raison de paniquer, je vais gérer cette situation. Pourquoi tu te tais pas, s'il te plaît, de moi? Et pas facile pour cet intrus de passer de la cellule et des douches collectives directement au jacuzzi, thé vert et parquet ciré. Les spectateurs ont ainsi découvert ces trois comédiens dans un nouvel exercice sur les planches. C'est un vrai plaisir de tourner tous les trois. On s'est connaissait bien avec Patrick, on ne se connaissait pas avec Anne. Et pour le coup, on apprend à se connaître. Et justement, c'est une équipe qui s'est créée, qui fonctionne, voilà, où on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. Donc c'est primordial, j'ai envie de dire, sur ce genre de projet où ça vit à trois. Et voilà, on vit sur les routes de France un peu... ensemble pendant plusieurs semaines, donc voilà, ça cette bonne humeur qui est créée, cette bonne ambiance, voilà, transpire en général assez facilement sur le plateau, et voilà, et ça nous sert dans nos relations avec le public pour voilà cette prise de contact, et plus ce qui se passe ici est sympathique et dans une humeur agréable, plus c'est renvoyé aux gens en face, donc ça l'interaction se fait beaucoup plus facilement. Ah, oh, tu vois bien qu'il a perdu toute dignité humaine. Toi, alors, tu veux le jeter dehors? Tu ne penses pas qu'il mérite amplement quelques sashimi saumon? Daniel, pour rester dîner. C'est pas tous les jours qu'on sort de prison. Ah bah si, moi c'est la première fois. La tournée débute tout juste pour les comédiens, avec seulement 7 représentations actuellement. Les salles se remplissent très vite et le trio joue souvent à guichet fermé. Il faut dire que la notoriété télé y est pour beaucoup. C'est une mise en danger pour nous un peu cette tournée, parce que c'est vrai qu'on... On a la notoriété que Camping Paradis nous apporte sur la série, ce qui aide à monter une tournée aussi, bien évidemment, parce que c'est vrai que voilà, on vient à la rencontre aussi du public français qui nous suit. Et en même temps, c'est une mise en danger dans le sens où bah, d'un coup, on ne vient pas présenter les personnages dans lesquels on nous connaît, on présente autre chose. Alors là, on n'est pas sur du contre-emploi complètement, mais en tout cas, pour le coup, on me découvre dans un personnage plus noir, mais tout en restant dans la comédie. Je joue un tolard qui sort de prison au bout de 15 ans. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait, mais on sent qu'il n'a pas été qu'un doux agneau dans sa jeunesse. Donc voilà, on est quand même sur un autre registre. De son côté, Patrick, lui, qu'on connaît dans le rôle du barman dans Camping Paradis, qui est plutôt un homme, voilà, le bellâtre un peu lisse, un peu amoureux de toutes les femmes, mais malgré tout, voilà, un peu séducteur. Là, pour le coup, on le retrouve dans le rôle d'un psychanalyste parisien barbu, très élégant, très smart, très bobo. Donc, pour le coup, voilà, on le découvre complètement différemment. Mais en même temps, ça reste aussi un personnage de comédie. Donc, finalement, on se rend compte que les gens s'y retrouvent parce que l'univers et l'aspect comique de tout ça fonctionnent bien. Je vais juste proposer de rester dîner. Tu te calmes ! Mais enfin, en séance, j'en ai vu des vingtaines des patients comme ça. C'est un malade de type pervers abandonné qui est en train de tisser sa toile. Et nous, on est comme des mouches coincées dedans. Qui est ce Dany ? Homme potentiellement dangereux ? Quel secret cache-t-il ? Autant de questions que se pose le couple. En tout cas, de cette cohabitation improbable, les trois protagonistes vont en tirer les leçons. Pour le directeur du Camping Paradis, cette comédie est une première qu'il a su choisir entre de nombreuses propositions. Ça fait très longtemps que je voulais partir en tournée sur un projet. J'ai lu plein de choses qui ne me correspondaient pas forcément, ou alors qui étaient des choses
qui me semblaient pas être les projets qui me correspondaient le mieux, qui correspondaient à mes envies ou qui correspondaient aussi à ce qu'attendait un peu le public de moi, ou alors c'était trop facile et c'était trop ce qu'on attendait et j'aime pas être là où on m'attend. Ce texte du piment dans le caviar semblait être le bon, voilà, et puis la notion d'être à trois, on n'est pas trop nombreux, ça fait qu'on a une vraie partition à jouer chacun, donc c'est plutôt un joli projet. Laurent Ournac a ensuite filé de Luçon en vacances pour Miami durant quelques jours, avant de remettre du piment dans le caviar jusqu'à fin mars et attaquer d'avril à novembre le tournage de sa série pour ensuite revenir au théâtre à Paris. Autant dire que 2013 s'annonce très chargé.